Jean Talon, coin Casse-Grain, c'est le premier magasin qu'on a acheté, nous autres. On a acheté l'entreprise, Jules et moi, en 1983. C'est un magasin qui est spécial. Plus jeune, je ne comprenais pas trop ce que mon père faisait dans la vie, bien honnêtement. Puis je me rappelle, j'avais avoir comme peut-être comme 8 ans, 9 ans. Puis il m'avait amené au magasin de Jean Talon. Puis on s'est mis à se promener sur Jean Talon, justement. Puis là, t'avais plein de commerçants qui te connaissaient. On dirait qu'il était le roi du village. Tout le monde le connaissait. Mondou, ça date de 1938. Au début, Mondou vendait du dark chard. Presque seulement les produits Purina. Tranquillement, il y a eu comme une sorte de mouvement où les gens se sont mis à traiter leurs animaux plus comme un être humain, tu sais. Eux, ils ont eu le flair de dire comme « Ah, il y a de quoi qui se passe, là. » Puis c'est là que, tranquillement, ils ont retiré les animaux de la ferme. Ils ont focusé un peu plus les animaux domestiques. Puis c'est là que ça, comme... OK, là, on va commencer à avoir plus de produits spécifiques. Puis là, maintenant, on est rendu un spécialiste qui vend uniquement pour les animaux domestiques. Quand on a acheté, on n'était pas beaucoup. On était 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on avait 5, 6 employés. Aujourd'hui, avec le groupe Lego, tu es au-dessus de 1 600 employés. L'entreprise grossissait. Et à ce moment-là, il y a eu comme cette réflexion-là de se dire « Hey, il faut des nouveaux bureaux. » Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un sondage à l'interne puis on a demandé à tout le monde « C'est quoi que vous voulez? C'est quoi votre bureau de rêve? » Puis là, on a monté ce projet-là avec nos employés. Je trouve que la pandémie, c'est le meilleur exemple de si on veut ramener les gens à revenir au bureau, mais ils sont mieux d'être bien parce que chez eux, ils étaient bien. Puis tu sais que si ces gens-là font un bon travail, bien, ça va affecter directement notre clientèle. Le processus de comment les choses se sont faites puis qu'on est rendu là, c'est pas juste né des magasins Mondou, c'est dans la recette secrète de c'est quoi faire du bon retail, c'est que c'était et comment on contrôle nos locaux. Après ça, c'est comment on contrôle nos produits. Puis c'est là qu'est né Vetdiet. Après ça, il y a eu comme plein de constructions autour de d'autres entreprises pour s'assurer que comme le core de Mondou reste le plus sain possible. Puis c'est là que le groupe Lego est né. Tout ça est parti de l'entreprise de mon grand-père, qui était Globe Trading Corporation, qui a, un moment donné, avec les lois au Québec, il a fallu qu'il change de nom pour Gloco. Il vendait des produits, il était import-export. Puis un moment donné, avec le temps, mon père est arrivé dans l'entreprise. Puis après ça, c'était mon frère qui est arrivé dans l'entreprise. Bon, alors, c'est une entreprise qui est quand même centenaire de Gloco. C'est elle qui a ouvert la porte à Mondou. À tout. C'est une entreprise extraordinaire. J'ai aucun parti pris, mais c'est une entreprise extraordinaire.